Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Alors déjà je suis désolée, je me suis attachée les cheveux et tout, mais c'est juste que là en ce moment c'est la canicule. On est fin juillet, je pense que je vais vous poster cette vidéo un petit peu plus tard, je pense que ça sera le mois prochain, sûrement pour la rentrée. En fait j'ai lancé un challenge à ma sœur d'ailleurs qui a un blog, donc c'est Mes Petites Évasions, je vous mets le nom ici et ça sera en barre d'infos. Je lui ai donné le challenge de me choisir une ou deux tenues en fonction de ce qu'elle trouver pour faire ma rentrée. Donc je fais pas de rentrée scolaire parce que je travaille, mais voilà, j'avais quand même envie de faire quelques vidéos dans le thème back to school, back to work, tout ça. Donc on a profité du fait que ce soit les soldes, elle avait un budget de 70 € et elle m'a fait une commande sur ASOS. Du coup je n'ai aucune idée de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Après au niveau du style, je pense que ça va aller, enfin je m'habille assez classique et ma soeur elle connaît mes goûts, donc je pense qu'il y aura pas de problème. Juste peut-être au niveau des tailles, parce que moi j'achète jamais sur internet, parce que j'ai toujours peur que ça n'aille pas, donc on va voir ça tout de suite. J'ai hyper hâte, c'est pour ça que j'attends pas en fait. Je sais que cette vidéo je vais la poster plus tard, mais j'attends pas du tout. J'avais trop envie de l'ouvrir. Là c'est juste ouvert parce que ma soeur a vérifié s'il y avait vraiment tout, mais moi j'ai encore rien vu. Alors du coup je vais prendre des articles au hasard. Donc le premier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un haut? Je sais pas. Alors ça se présente comme ça. Alors je pense que c'est un haut, vraiment, soit une jupe. Je n'ai aucune idée. Ah oui, c'est une jupe. Oh, c'est une petite jupe jaune. C'est une petite jupe comme ceci, mais attendez, mais il y a un truc là, non? Qu'est-ce que c'est ça? Si c'est une ceinture. Ah ouais, je pense que c'est une ceinture et qu'elle va se resserrer sur le devant. Donc elle a pris une taille 38. Je lui ai dit de tout prendre en taille 38. Donc c'est une espèce de, ouais voilà, de petite jupe avec un gros nœud devant. De toute façon, je vais vous faire un try-on à la fin de la vidéo. Il y a un gros nœud devant et elle est en espèce de matière un petit peu, je sais pas, un peu lin peut-être. C'est une jupe patineuse. J'aime bien ce style de jupe, mais ça fait bien longtemps que j'en ai pas mis. Ensuite, enfin là il y a tous les articles, du coup il y a 4 articles. Donc ensuite il y a un pantalon. Donc je pense que c'est peut-être un espèce de legging. Ah non, un pantalon. Il a l'air hyper confortable. Il est... Ah non, mais c'est pas du tout un pantalon, c'est une jupe. Et mais je suis complètement à la ramasse. Oh non, j'adore. Une jupe comme ceci. Et bah du coup j'ai ouvert les deux jupes. Une jupe pareil patineuse en espèce de jean, elle est trop belle avec les coutures blanches. Je vous ai pas dit, mais la première jupe c'était de la marque ASOS et ça c'est de la marque River Island. J'ai jamais testé River Island, j'espère que ça va m'aller. Elle est juste vraiment très très jolie, elle est très belle. Et du coup bah, à l'intérieur je dois avoir les deux hauts. Donc, je pense que le haut blanc ça doit être pour aller avec la jupe. Alors on va essayer. Oula, qu'est-ce que c'est que cette matière bizarre. C'est vraiment le type de matière qu'on ne peut pas mettre pour les filles à la canicule. Hein. Alors c'est une espèce de truc. Mais attendez, mais où est le début? Ah oui. Ah non, c'est mignon, j'aime bien. J'aime bien, mais la matière est très bizarre. C'est, vous savez, un espèce de petit top hyper fluide, en espèce de matière un peu satin. Avec des nœuds sur les épaules. Et en fait c'est hyper marrant parce que bah, je fais de la couture, si vous avez suivi un peu l'histoire. Et j'ai envie de, enfin j'ai vu un patron d'un top qui a l'air assez simple et qui a des bretelles comme ça, où en fait il y a des nœuds. J'aime bien ce système de nœuds. Après avoir porté sur moi, parce que je suis vraiment pas sûre que cette matière ça va me plaire. Mais sûrement avec la, je sais pas trop avec quoi. Je pense avec la jupe. Et le dernier, c'est un deuxième haut. J'adore la couleur, il est trop beau. Ah oui, mince, je vous ai pas dit la marque. Bah, c'est de la marque ASOS. ASOS aussi. Et alors voilà, le deuxième haut. Donc c'est un espèce de couleur un petit peu corail, saumon. Et il est comme ceci. Je sais pas si ça va pas être large, ça. Il est trop mignon. Il est, voilà, il est corail, par contre ça a l'air assez transparent, ouais, vachement transparent, avec des petits boutons et un petit nœud. Il est quand même un peu crop top, mais de toute façon, bah, je pense que ça va aller avec ça. Vaut mieux qu'il soit court vu que la jupe, c'est les tailles hautes, et je pense que ce haut va aller avec cette jupe. Je sais pas,
faut que j'essaie. En tout cas, a priori, j'aime bien ces trois articles et j'ai une petite réserve sur ce haut blanc de par sa matière. Donc, je vais essayer ça et je reviens vous Donc voir juste voilà pour après. la tenue. Alors le haut, j'aime pas du tout. J'aime ça. J'aime pas la matière en fait. Après, j'aime bien le fait que ce soit hyper fluide, mais je suis pas fan de la matière. D'ailleurs, il est un peu transparent, je crois. Et la jupe, malheureusement, j'aime trop. Bon là, elle tombe pas forcément hyper bien parce qu'il faudrait la repasser, mais elle me sert énormément. Je pense qu'il m'aurait fallu du 40. D'ailleurs, j'ai du mal à la fermer. Après, je la trouve vraiment hyper jolie. J'adore la couleur. Elle est super belle et j'adore le nœud. En plus, on peut le mettre soit sur le côté, soit sur un autre côté, enfin comme on veut. Mais malheureusement, elle me sert vraiment trop. Enfin, là, je sens que je pourrais pas du tout faire la journée avec. Et du coup, je suis un petit peu triste parce que je la trouvais trop jolie. Et le haut, non, le haut, c'est pas possible. Et pour la deuxième tenue, ça va. Donc le haut est totalement transparent, donc il faudra pas mettre un soutien-gorge comme ça, mais bon, ça vous permet de voir. Je le trouve hyper beau. Il est super fluide, super léger. J'adore la couleur. Et en fait, il est vraiment court, ce qui fait qu'avec la jupe taille haute, ça donne hyper bien. Et au niveau de la jupe, j'espère que vous voyez, mais elle est trop jolie. Elle me sert un peu, mais pas autant que l'autre. Je sais pas s'il aurait pas. Enfin là, ça va, le 38 me va, mais je pense que l'autre il aurait vraiment fallu un 40. Mais sinon, celle-ci elle est vraiment super jolie, j'adore. Et en plus, elle est jean, mais elle est jean foncé. Et le fait qu'on voit, je sais pas si vous voyez, mais toutes les coutures en blanc, je trouve ça super joli. Donc j'adore cet ensemble avec des baskets ou juste même des chaussures ouvertes là pour quand il fait beau. Enfin, pour sortir avec la jupe, elle est un petit peu plus épaisse. J'adore, je trouve ça juste trop trop joli. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez la première tenue, la deuxième tenue, ce que vous pensez des pièces, voilà, différentes des unes des autres. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo, donc merci beaucoup à ma soeur de l'avoir fait avec moi. Ma préférée, c'est celle-ci de toute façon, même si j'aime bien la jupe jaune par rapport à celle-là, je préfère largement celle-ci. Enfin, pas largement, mais je me verrais plus porter celle-ci dans la vie de tous les jours parce qu'elle est plus sobre, même en hiver avec des collants et tout. Donc voilà, je suis hyper contente de la sélection. Je pense que je vais essayer de renvoyer, ou je sais pas ce que je vais faire avec les deux articles, celui qui me plaît pas et celui qui me va pas. Mais en tout cas, cette tenue, c'est sûr que je la garde. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre tous vos retours en commentaire et aller faire un tour sur le blog de ma soeur où elle parle en fait de sa vie au quotidien, donc de tout ce qu'elle teste, que ce soit les voyages, donc ils voyagent pas mal, donc il y a pas mal voilà, de week-ends, d'idées de voyages. Elle parle de autant de jeux qu'ils peuvent faire que de sorties, donc ils habitent à Paris, donc il y a un choix qui est beaucoup plus large. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir son blog, je vous remets le nom ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.